Le 23 avril 2010, Georges Papandréou, Premier ministre grec, demande l'aide du FMI et de l'Union européenne. À travers le personnage de Papandréou, on raconte l'histoire de cette crise avec le peuple grec sur scène. On voit aussi la situation de la société grecque en ce moment. C'est un spectacle populaire. On est dans le sujet brûlant de ce qui se passe en ce moment en Grèce. Papandréou, ministère de voyous. Avec le deuxième cocktail Molotov, le feu s'est répandu partout. Mais on a voulu beaucoup jouer avec le côté folklorique que les Français connaissent sur la Grèce, le Tsoulias, le Parlement grec, le côté tragique grec, ancienne tragédie grecque, les masques, les tragédiennes, les Erinyes. Oh polis, oh polis polyctimones andres. Le théâtre athénien est un acte civique très important dans la vie des citoyens. Le côté aussi comique. Et Georges Papandréou a quand même un aspect très comique. Nous ne voulons pas que les sacrifices du peuple grec soient vains. J'ai demandé au ministre des Finances de prendre toutes les mesures nécessaires. On est dans une galère à cause de ce mec. Vive la crise. Le texte de Papandréou, c'est ce qu'il a dit au peuple grec. C'est un texte qui est considéré comme un texte très très sérieux. Mais je pense que le théâtre a le courage et peut aller beaucoup plus loin parce qu'il a une énorme liberté. Aime les aubaines, les problèmes, les échecs. Prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec.